Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, blah, et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Watch Dogs 2. Pirater les téléphones trafiqués, d'accord, pourquoi pas. Qu'est-ce qui se passe demain? Non mais c'est bon, hein, je sais à peu près ce que je veux faire, hein, c'est pas extrêmement complexe. Ok, donc on y va, chers amis. Donc, on doit continuer notre quête anti-politicien. Salut les pigeons. Du coup, on y va. On est devant l'hôtel de ville, hein, ce qu'ils appellent l'hôtel de ville. C'est pas mal, hein. Ok, et Citara va encore nous faire le saut du cabri au-dessus du bain. Allez, allez, Citara. Non? Oui? Non? Non plus, dommage. Prendre conscience que les grosses entreprises qui gèrent vos données excellent dans l'art de vous en séparer. Ouais. Si une vague arrive à ses fins, on n'aura plus d'élections crédibles. Ce foutu programme Bellwether peut influencer tous les électeurs du pays. Bah oui. Va leur assurer l'aval du Congrès, c'est pour ça qu'il est si important. Ah, bah depuis qu'on a trafiqué le code d'Invite, le petit membre du Congrès fait descendre dans les sondages. Invite total. Hé, Marcus, faut trop que t'écoutes ce qu'on a enregistré. Ça, c'est une discussion entre Truss et Marie Catskill, la PDG d'Invite. Vous ne pouvez rien faire? Ça va plus du tout, là. Il faut qu'on se voit. J'ai quelque chose qui permettra de régler le problème. Oh, Dieu merci. Retrouvez-moi à mon appartement. Renforcez la sécurité, je vous retrouve là-bas. Merci. Bizarre. Vraiment. Personne n'en sera. Enregistrer leur bizarre. Contre eux. Et je m'en vais vous aider. Votre calèche vous attend, monsieur. Oh, merci, très cher. What the fuck? Ça va plus, hein. Pauvre homme. Pauvre homme, pauvre homme. Quoi? Tu montes pas? Quelque ouais. Chose me dit qu'on va avoir du mal à entrer. J'ai fait mes petites recherches. Et il y a des caméras de sécurité partout. Je m'attendais à mieux niveau bagnole. Utiliser leur caméra pour franchir leur sécurité. Toi-même tu sais. Aïe. Voter, c'est une des dernières libertés qu'ont les gens. Tu savais qu'Invite surveille les intentions de vote de ses utilisateurs? Bah oui, pourquoi ils se priveraient? Ça me rend dingue ce qu'ils font chez Invite. On le sait que les entreprises passent leur temps à manipuler les gens. La conversation reste normale pendant que moi je fais de la merde au volant. Ils contrôlent toutes les infos qui circulent. Ah, ça clignote, c'est moche. Bravo Ubisoft, bravo. Je suis désolé, mais là ça c'est pas beau pour un jeu triple A. Hein. Ça c'est pas beau pour un jeu triple A. Donc encore un grand merci à Hélène. Hein. Qui m'a offert le jeu et je l'en remercie parce que c'est vraiment un jeu qui me faisait, qui me vendait du rêve à l'avance. Bon bah dans les faits du coup il m'en vend un peu moins, hein, et bizarrement je sais pas, j'avais une grosse hype et finalement bah il est pas si si multiple que ça, vous voyez ce que je veux dire, qui pas où que j'en sais aller. Atteindre l'appartement. Ah non, c'était bien la porte de devant, d'accord, bêtement. Ok, on y va. On y va. Ouais, il me vend pas autant de rêves que prévu parce qu'en fait, il est pas si complexe. Il est rigolo. Il est bien. Mais en termes de gameplay, il est pas folichon, hein. Je passe mon temps à résoudre des puzzles. Des puzzles? Ah non, c'est pas là. Oui, donc je passe mon temps à résoudre. Oh là 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 là, range. T'as qu'à te dépêcher un peu, hein. Putain, je vais faire des zigzags pour qu'il. Pour qu'il me rattrape. T'es bon? Ouais. Ouais, je. Ok. Donc c'est par où? Jack! D'accord, c'est la petite porte. Oh mais le petit dash qu'elle a fait juste pour me niquer. Ok, comme l'indice japonais. Bon, on est bon. Le central des caméras de sécurité est tout en haut de cet immeuble. Je vais aller voir ça. Et moi, je vais explorer la zone. Voir tac. Si vous pouvez un accès direct. Bah oui. Ton laptop. Je voudrais pas que tu rates ça. Regarde ton laptop. Ah là là, il y a certaines expressions qui me font rigoler. Enfin bon.
Hello. Oui, donc je trouve que en termes de gameplay, il est pas magique. On dirait que vous venez de vous chier dessus. Je ne vous permets pas. Vous et Madame Catskill m'aviez promis que... Je ne vous ai rien promis du tout, Marc. Les promesses, c'est pour les enfants de 5 ans, Marc. C'est du chantage. Je sais. J'aurais préféré trouver une solution plus raffinée, mais... Celle-ci a fait ses preuves. Cet état pardonne les frasques sexuelles bien plus facilement que l'usage de drogue, Marc. Je suis membre du Congrès des États-Unis. Pour en venir aux faits, mon petit Marco, vos intentions de vote sont en chute libre. Ça peut pas durer. Il faut passer au plan B. Vous vous souvenez de ce que c'est? C'est la plus grosse clé USB que j'ai jamais vue. Si ça vous intéresse. Je sais pas ce que c'est que ce port. Le programme allait me faire réélire. PORT. C'est pour les losers, Marc. Vous préférez pas la mériter, votre victoire? Si les choses se passent mal, n'oubliez pas. Vous fermez votre bouche. Autant sur les photos, il ressemble à Bruce Willis que là, il est très très moche en fait. Hein. Non mais, vraiment, je m'excuse, sérieux. Je ferai mieux la prochaine fois. Et donc, tout ça pour ça? Vous avez vu ça? Dushan est impliqué, obligé. Oh la vache! Il y a beaucoup d'activités par ici. Marcus, l'immeuble vient de disparaître du réseau. On peut ni entrer ni voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est Wrench? Je vais y aller. Doit bien y avoir des preuves de ce qui se passe. Pourquoi il est indiqué en rouge? Sur le toit de l'immeuble voisin. Et il y a plein de grues dans le coin. Regardez, il est indiqué comme une cible en bas. Sans problème. Ok, j'arrive. Non, bah non, bizarre. Wow, on se calme. C'est les flics? Bizarre. Bizarre. Allez, on y va. Gru. Ok, on y va. Allez. Allez, grimpe. Vous voyez? En termes de gameplay, il se passe pas grand chose. Je trouve pas ça folichon. Je veux dire, le parcours c'est bien, mais quand c'est efficace, quand vous faites du parcours, les ennemis vous ciblent comme si vous étiez. Comme si vous étiez un éléphant, quoi. C'est. Il aurait fallu limiter les gunfights, rendre le jeu plus enfin, limiter les gunfights dans la mesure du possible. Voyez ce qui vient de se passer? J'ai juste pris une grue, je me suis déplacé, et je me j'ai droit à une autre cinématique. Hey, Red. Yo Marcus, ça va ou quoi? J'hallucine, on voit toute la ville d'ici. Y a un paquet de gens qui vivent là, mon pote. Un paquet de gens. Qui se font entuber. Et qui s'en rendent même pas compte. Comme. Endormis. Ouais, c'est carrément moche. Et là, y a plus de son dans la vidéo. T'es conscient qu'il va falloir se battre comme des chiens pour en faire des citoyens normaux? Je te le fais pas dire, mon pote. Ok. Trouve les preuves qu'il nous faut, je vais installer ta porte de sortie. Faut que j'aille là-dedans? Pourquoi pas? Ça clignote ou c'est du timelapse? Ça clignote. Ok, cool. Donc ça c'est le PDG de Bloom qui se barre, comme un con. Et nous on arrive encore une fois de retard, bravo hein. Bon. Je peux avoir le droit à... Eh, c'est pas trop ça? Non, je crois que ça c'est un hélicoptère. Guignol, ouais. Et donc je vais reprendre ma grue, je vais me mettre au milieu de la rue, puis ainsi de suite. Ah, d'accord. Allons-y.
Ah, j'ai pas accès à la grue. Ah. Ah. Ah mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Hop. Bon, je suis pas pile au-dessus, donc je vais encore avancer un peu sur la flèche. Voilà, parce que ça s'appelle une flèche. Ok, on est bon. Bon, allons-y. Fais pas genre t'as mal. Ça fait pitié. Crac, c'est bon. Trouvez le terminal pare-feu. Wow, d'accord. Non, le terminal parfait, je pourrais pas le hacker avec ça. Ah! Je te vois! Ok, salut! Bonjour, comment ça va? Tu permets que je te pénètre avec un gros port USB? Enfin, potentiellement. Port USB! Voilà. Parce que c'est des gros ports USB, hein, je veux pas dire, mais... Hello there. What did you damn shit? Tu veux bien m'appeler l'ascenseur, s'il te plaît? Merci. Poupidoupidou! Non, je pense qu'en règle générale, il y a une mauvaise utilisation de la plupart des hacks. Enfin, il y a une redondance de la plupart des hacks qui fait que, finalement, bah, on s'embête. C'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Heureusement, l'histoire derrière et tout ce qui est vidéo rajoute un gros gros bonus au jeu, parce que sinon on se ferait royalement chier. Hein. Faut pas se voiler la face. Vous voyez, regardez. J'ai juste eu... Là, c'était juste une séquence de plateforme. C'est bête, ça gâche un peu tout. Non, c'est dans l'autre sens que je tourne, hein, mais c'est pas grave. Ok. On remonte. Ça va tout le monde ? Citara, c'est bon, je suis prêt. On est bon. Balance-moi du bon son. Qu'est-ce qui lui arrive? Et vous m'avez pas vu. Vous êtes juste mauvais les mecs, hein, c'est tout. Hein. Allez, allez voir vos potes qu'on rigole. Allez. Ça t'apprendra. Il va arriver de là-bas, non, c'est ça? Là, il est où? Il est même pas à cet étage-là ou quoi? Personne pour boire son café ni rien? La douche, tout ça? Hein? Hey, essaie de trouver un moyen de reconnecter l'immeuble au réseau.
T'inquiète. Je vais dans le système. Après, t'auras plus qu'à utiliser les bots pour forcer l'accès et télécharger le plus de trucs possible. Mais une fois qu'on aura lancé le téléchargement, ils sauront que t'es à l'intérieur. Ce serait pas marrant sinon. D'accord. Quand tu commences à avoir des verres d'alcool dans les douches, c'est pas bon signe. Moi, je tue maintenant, hein, chers amis. Hein. Je m'emmerde plus. Par contre, j'aimerais bien que tu te mettes en position pour. Voilà. Ça c'est fait. Je ferais bien de partir. C'est qui ce blaireau ? Feriez bien de partir, effectivement. Bonjour ! Permettez, je fais un petit truc. Bonjour madame, excusez-moi, excusez-vous. L'accès est ouvert, à vous de jouer. Cassez-vous! Tu me fais rire, toi. Franchement, tu me fais rire. Bon, bah, du coup, voilà. Vous voyez, encore une fois, le hack se fait tout seul. Ça se fait tout seul! Oui, c'est un flingue. Ça fait trois fois que tu le vois. Subsidie de terrorisme, putain. Ça t'apprendra à avoir des bugs. Merci. Moi j'aimerais descendre si c'est possible. Jésus Marie Joseph, effectivement, oui. Bah attendez, c'est à cet âge-là? Regardez. Oh, j'aimerais tellement l'apprendre. Le v'là, mon plan! Non? Quel dommage. Quel dommage. Suspect s'enfuit. Ah, ils sont magiques. Hein. Honnêtement, ils sont magiques. Là, la porte. Bah oui, bien sûr. Ok, c'est bon. T'es sérieux? Bon, vous voyez, ça c'est fun. Mais ça, c'est un truc qu'on devrait être en mesure de faire. Ah là 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 là, ça devrait pas être un truc de mission. Enfin bon, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le développement, il y a un problème de manque de créativité finalement. Dans le thème, dans le gameplay, pas dans l'histoire. Il y a de la créativité partout, mais pas dans l'histoire. Ok, bon bah on est bon. C'est pas une caisse, c'était une bécane que t'avais d'ailleurs. On tient leur plan B. D'accord. Utiliser les machines de vote. Les machines de vote ? Directement. À la base, elles protègent les données qu'une fois le vote effectué. Mais avec les données d'invite, elles peuvent ignorer les votes avant que les électeurs valident leur choix. Josh a trouvé où. Ah bah bien. Il t'attend à l'extérieur de Fort Point. Four Point ? Ok, j'y vais. Oh, Marcus ? Tu devrais ramener des explosifs. Ah, oh, j'espérais que tu me le demandes. Ok, ça c'est cool, ça c'est une bonne nouvelle. Voir sur la carte. Y'en a pour long de route ? Y'en a pour long de route ? Tu réponds pas vraiment à ma question. 2 km, ah, ça va être long. On est où dans l'épisode, chers amis ? 19 minutes. Ah. Oh. Je vais m'y rendre avec vous, chers amis, on va bien voir, parce que je pense qu'il va y avoir des chats sur le trajet. Une fois qu'on sera là-bas, on se laissera, je pense, parce que là, si vous voulez suivre l'histoire, je vous invite à rester. Ah, c'est une autre quête, d'accord, ok, je viens de comprendre. Le pont ! Oh, la vache ! Si quelqu'un avait pu prévoir ça, franchement. Et le mec il rajoute « Eh ouais, Dieu existe derrière !» Ça c'est pas magique.
C'est bon, on a atteint la vitesse max. Et j'ai dû tout freiner. Sinon je me bouffais le saut et je repartais encore une fois comme avec le pont. Dégage. Pas passer loin. Ok, c'est passé. On n'est pas trop mauvais, on aura fait... Bon, de toute façon, ça sera fait assez vite en règle générale. Hein. Là, pour le coup, on n'a pas à se plaindre. Waouh, pardon. C'est là qu'on se rend compte que c'est pas si simple. Je ne vais pas mettre le pied à terre pour faire un dérapage, hein, comme on dit. Hein. C'est qui m'a sorti ça? C'est un... Oh, je sais plus c'est qui. Mettre le pied par terre pour faire un dérapage, hein, mais t'es sérieux, mec. Enfin bon. Eh ben écoutez, chers amis, du coup, nous, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. En tout cas, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop!